On vous parle, vous pensez que Ibella, il est venu pour jouer. On parle les voisins, mais on ne comprend toujours pas. Donc vous pensez Ibella vient pour jouer. Ibella, terroriste veut ou il veut pas où, ça va finir au Burkina Faso, ça va finir dans les pays AIS. Parce que Ibrahim Traoré, il n'est pas venu pour jouer, c'est un prophète. Le gars là, ça va prendre du temps, non? On ne sait pas, mais vous allez comprendre. Si vous avez la tête là, si vous avez l'expérience là, analysez ce qu'il fait. Vous allez comprendre que le gars, c'est un prophète. C'est un prophète. Regardez, vous allez regretter. J'ai dit, regardez très bien Ibrahim Traoré et analysez tout ce qu'il fait. Vous voyez en haut là? Est-ce que vous voyez? C'est des nouvelles avions de SAS qui viennent d'arriver aujourd'hui encore. Aujourd'hui, c'est le combien même? Le 21 juillet 2024. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet 2024. Les nouveaux avions de chasse. Les nouveaux avions de chasse viennent de rentrer encore au Burkina Faso. Terroriste, il veut pas, ça va finir. Parce qu'il faut les limer jusqu'à les patrons même vont avoir saut au salon. Est-ce que vous comprenez? Et puis, Ibella, ça veut dire ce qu'il attend de faire actuellement au Burkina Faso là. Le Burkina Faso sera le pays le plus puissant en armement dans toute l'Afrique. Je ne parle plus de la sous-région. Dans toute l'Afrique, je ne parle plus de l'Afrique de l'Ouest, car l'Afrique de l'Ouest. Burkina Faso sera l'armée le plus puissant, sera, aura une armée le plus puissant de toute l'Afrique. Notez ça, vous allez voir. Et puis, quand vous voyez Ibrahim Traoré, c'est pas parce qu'il fait qu'acheter. Retenez ça bien. Il attend de bosser, il pense. Bombe atomique là. Ils vont fabriquer ça au Burkina Faso. Donnez un peu de temps à Ibrahim Traoré, vous allez comprendre. Bombe atomique, les SAR, les blindés, là, tout ce qui est comme armes, les avions de SAS. Je vous dis, ils vont fabriquer ça au Burkina Faso. C'est obligé. Ils vont fabriquer ça au Burkina Faso. Les avions de charge, les bombes atomiques, les satans de que la Russie a là. Je vous dis, ils vont fabriquer ça au Burkina Faso. Pourquoi j'ai dit ils vont fabriquer ça au Burkina Faso? Mais tout ce qu'ils ont utilisé pour fabriquer ça au Burkina Faso, ça y est sur la terre burkinabé, ça y est sur la terre malienne et ça y est aussi sur la terre nigérienne. On a l'or, on a le diamant, on a l'aluminium. Tout ce qu'on prend pour utiliser les voitures, les quoi en Europe là, ils sont venus ramasser ça en Afrique et puis par fabriquer ça là-bas. Donc tout ça, c'est sur notre terre. Donc pourquoi nous, on ne peut pas fabriquer bombes atomiques? Pourquoi on ne peut pas fabriquer des blindés, voilà, des avions de chasse? Mais Ibrahim Traoré, si vous avez bien la mémoire, et que vous écoutez ses discours, il avait dit, quand il était parti à l'université, il a dit quoi à les étudiants? Que notre combat, c'est de vous amener à fabriquer des armes ici. C'est pas de vous ramasser en force pour vous envoyer au front, mais c'est de vous former. Vous allez fabriquer des armes que nous, on utilise pour aller au combat là. Vous allez fabriquer ça au Burkina Faso. Retenez ça, il avait déjà dit ça. Et puis ce qu'on voit actuellement, ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire là, bombe atomique, ils vont fabriquer ça au Burkina Faso. Les avions de chasse, ils vont fabriquer ça au Burkina Faso. Là, vous ne croyez pas, non? Vous ne savez pas toujours que c'est un prophète, non? Il n'y a même pas de souci. Ça va vous surprendre. Je sais pourquoi tu n'es pas content. Parce que tu es un voisin d'à côté, c'est pour cela que tu n'es pas content. Tu es un voisin d'à côté, c'est pour cela que tu n'es pas content, non? Il y a foi. Voilà. Mais Dieu même, là, il n'est pas ému par tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fabriqué le monde. C'est Dieu qui a fabriqué les êtres humains. Mais il y a les êtres humains même là qui n'aiment pas Dieu. Donc, si on voit que certaines personnes n'aiment pas Ibella, nous-mêmes, on comprend déjà qu'il ne peut pas être aimé par toutes les personnes, car il y aura toujours, voilà, il y aura toujours des, comment on dit, il y aura toujours des gens bien et puis il y aura toujours des diables à côté. Ça peut pas, on ne peut pas tous aller dans la même direction. Mais le minimum, on sait que ceux qui aiment Ibé dans le monde entier, dans le monde entier actuellement, sont plus nombreux que les diaboliques. Est-ce que vous comprenez?
Donc, si, vous, si on voit que vous n'êtes pas content, on sait que vous avez les voisins d'à côté. Donc, ça ne nous dérange pas. Mais, tchogo, tchogo, vous allez revenir à la raison. Parce que Ibé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ibé, le pouvoir qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné. Donc, peut-être ça va prendre un peu de temps. Mais vous allez revenir à la raison. Vous allez revenir à la raison. Écoutez-moi très bien, Ibé. Ibella, c'est mieux vous allez arrêter de l'embrouiller, dire on va le faire ça. C'est un enfant de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc tout ce que Dieu, tout cela, personne ne peut contre lui. Tu peux rien contre Ibella parce que c'est un enfant de Dieu. C'est un prophète que Dieu l'a envoyé pour sauver l'Afrique. Et tout le monde connaît la réalité, mais en niant. C'est un prophète que Dieu a envoyé pour sauver l'Afrique. Et tout le monde connaît la réalité. Mais en niant la vérité, il combat pour que les richesses de l'Afrique restent en l'Afrique. Pour qu'on transforme ces richesses en Afrique. Pour qu'on développe nos pays. C'est ce discours, c'est tout ce qu'il veut. Il veut l'Afrique unie pour qu'on soit un, l'Afrique, toute Afrique, pour que l'Afrique soit unie. Donc, s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas pour qu'ils disent ça, c'est parce qu'ils sont déjà vendus, tu vois. Ils sont déjà vendus. Ce sont des gens, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus rien, tu vois. Donc, souvent pour sortir, même parler au hasard, là, ça ne nous plaît pas. Parce qu'on sait d'où ils vont, on sait qu'ils sont déjà vendus. C'est les gens, leurs intérêts, c'est d'avoir ventre plein. Voilà. Aller mougler les femmes, insulter les parents, ils s'en foutent du pays même. Est-ce que vous voyez? Vous voyez très bien. Donc, respect. Mais ce qui est important chez moi, vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, ce que je vais vous dire après, il y a un artiste très très talentueux même du Burkina Faso qui réside en Italie. Mais il veut quitter en Italie pour faire un grand concert au Burkina Faso. C'est un artiste burkinabé qui réside en Italie, mais il vient au Burkina Faso le 4 août. Le 4 août, il a un concert, très grand concert, avec plein d'artistes et de surprises. Voilà. À Osos, à Begudo, il a un grand concert là-bas le 4 août. Regardez très bien l'affiche, vous allez prendre des informations. Moi-même, je suis le sponsor, je suis là pour faire la promotion aussi. Donc, je vous invite de rester connecté et partager massivement pour que l'artiste fasse le plein de ce concert, pour que l'artiste fasse un guichet fermé. Ben, c'est un artiste talentueux, il est tellement connu en Europe, voilà, qu'il veut rentrer dans son pays maintenant, faire un très grand concert. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pardon et pardon de partager cette vidéo pour que ça puisse aller très loin. Voilà, l'artiste même s'appelle Bansi Boy. L'artiste s'appelle Bansi Boy. Il a un talent incroyable. Allez sur sa chaîne YouTube. Allez sur sa chaîne Instagram et Facebook. Vous vérifiez. Vous allez venir me confirmer. Confirmer. Parce qu'il a du talent. Il a tellement du talent. Ok? En tout cas, rendez-vous le 4 août pour le concert de Bansi Boy. On est good, good pour la vie. Et je vous aime fort. Comme vous le savez toujours, je suis Francas, le promoteur de toutes les actes de la culture africaine et mondiale. Mais quand il y a quelque chose de vrai, ne casse pas. Quand on n'a qu'un seul pays qui s'appelle le Burkina Faso, c'est mieux de dire la vérité. Ok? Ciao. Je vous aime.